Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. L'exercice est le suivant. Soit PQ du entier naturel, pardon, non nul, premier, pardon, j'ai oublié si je signalais, premier, du entier naturel, PQ du entier naturel, premier, et des puissances P plus Q moins 1 congrue à 1 modulo P multiplié par Q moins 3 que le BGCD du P de 10 est égal à 1. Bon.
exemple d'après le théorème. Égal à pH,
XL avec R, il est supérieur ou égal à 0, c'est inférieur ou supérieur à D. Donc, pour 10 puissance F, il est égal à 10 puissance de H plus R, il est égal à 10 puissance de H. Puissance H plus R, donc est égal à D, donc est égal à D H plus R.
avec H1 égale H5 partie 1 à N. Donc, N est un multiple du D. Cela veut dire que comme le premier, alors A appartient à l'intervalle 1Q. Maintenant, si ce A est égal à comme A, divisé moins 1, alors Q divisé moins 1, cela dit QQ est calculé égal à Q moins 1. C'est faux, car d'après l'hypothèse, Q est supérieur à P, cela implique que P est supérieur simplement à P-1. Donc, Q est différent par A, cela implique que A égale à 1. Donc, il est égal à son premier ordre. Bon, la question B. Prenons que. Bon, P est égal à 3. Puis, dites-le que. B1B,
On a 10 plus 11. Et d'après notre question, D est le plus petit entier de D est égal à bon l'autre. D'après la question, bon, 2B, si 10 quelque soit N, si 10 puissance N est congrue à un module P, alors D divise N. Donc, on a donc, D est indivisible commun à P et Q. C'est le plus petit inférieur à P moins 1 et Q, inférieur ou égal. Et comme, voilà, P est égal à 1. Et comme, c'est simplement positif car il divise, donc 0 le divise, j'en ai. Alors, D est égal à 1. D'où, bon, D puissance, D puissance, on va voir un mot de plus que la que 10 puissance 1, on va voir un mot de plus. Cela, D. Moins 1, 6, 9, donc P divise 9. Cela implique P appartient à 1, 3, 9. Et comme P est premier, alors P, moi j'ai diviseur de 9 dans l'ensemble 1 sur 1 fois 2, 1, 3, 9. Alors, c'est égal à 3. C'est égal à 3. Bon, déduisons que, pardon, déduire que, 10 puissance, bon. Bon, on va remplacer P par 3 de la puissance. On place P par 3. Bon, la question 4 du composant 10% en moins 1 en partant premier
je tue à partir de l'intervalle 3-3 pour l'ensemble du déchirement 3-37. Bon, on a les puissances 3-1 divers à 10-1.
Donc, le PGCD du PI10 est égal à petit i à cela. Bon. Donc, Q divise par 10 et comme Q le premier, d'après, donc, et Q le premier, d'après, le QRL, le Fermat, on a par Q, car Q divise le produit PQ. Le terme du Fermat est ici 10 puissance Q moins est congru à un module. Bon, cette égalité, c'est d'après l'hypothèse 10 puissance P plus Q moins 1, il est congru à un module PQ. Puisque Q divise PQ, alors 10 puissance P plus Q moins 1 est congru à 1 module Q. Bon, ici, 10 puissance Q moins 1 d'après Fermat est congru à 1 module P sur la matrice. 10 puissance 3, multiplié par 3 est congru à 1 module sur la matrice. 10 puissance 3 est congru à 1 module Q sur la matrice. 10 puissance 3 moins 1 est congru à 0 sur la matrice. Dispuissance 3 moins 1 d'après ce que précède. Bon, Q divise. Dispuissance 3 moins 1 sur la matrice. Q divise. 3 puissance 3 multiplié par 37. Sur la matrice. L'ensemble des diviseurs sont 1, 3, 3 au carré, c'est 9, 3 puissance 3, 27, 3, 3 multiplié par 37, donc 3 au carré multiplié par 37, donc 3 multiplié par 9, 3, 63, 27, 33, donc 300. Enfin, 3 puissance 3 multiplié par 37, c'est 9 multiplié par, donc c'est 9, 100, oui, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ici 3, 1 plus 1, il manque un. Bon, j'ai oublié 37. Pardon. Ici, 37. Du coup, Q, le premier, alors que appartient. Les seuls nombres premiers qui appartiennent à cet ensemble sont 3 et 37. 1 n'est pas premier, 3 au carré divisé par 3 et 3 au carré est 1. 3 puissance 3 est un de plusieurs diviseurs. 101, 111
Si 3 multiplié par 37, il a plusieurs diviseurs. 333, 3 multiplié par 111, donc il est divisible par 3, 3 au carré, il est divisible par 101. Ici, 999, il est divisible par 9, par 111, par 3, par 27, ainsi de suite. Bon, les seuls nombres qui sont premiers, qui appartiennent à cet ensemble, sont 3 et 37. Bon, enfin, merci pour votre attention. Voilà pour cet exercice. Bon, merci pour votre attention. À la prochaine.